Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle série, une aventure horrifique mais un petit peu spéciale. Nous sommes sur Get Even, le jeu vient tout juste de sortir, c'est le retour, je vous l'avais annoncé il y a une semaine maintenant, on est reparti, une vidéo par jour. Je compte sur vous pour l'accueil, pour mettre un maximum de likes et j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Nous revoici dans une aventure horrifique, une aventure où on va mener l'enquête. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend, mais ce que je peux vous dire, c'est que le jeu a été relativement bien noté. J'ai donc hâte que tous ensemble, on découvre ce jeu qui a l'air franchement très sympa. Comme d'habitude, mettez un maximum de likes. Nous sommes partis pour le premier épisode de Get Even. Allez, c'est parti, j'ai le choix entre nouvelle partie et continuer. Je suis désolé, j'ai perdu ma voix. Ça, c'est à force de dormir avec le ventilateur. Ne faites pas ça chez vous, ne reproduisez pas tout ce qui se passe dans cette vidéo chez vous. Nouvelle partie, je n'ai même pas configuré les touches. J'ai juste été voir, on joue en 2K. Il y a du 60 FPS, on se fait plaisir, c'est le principal. En ce qui concerne la difficulté, j'ai le choix entre deux difficultés donc. Paisible et traumatisant, vous serez confronté aux souvenirs de plein fouet, aussi douloureux et oppressant soit-il. Et paisible, vous vivez les souvenirs sans trop de danger, les affrontements seront moins oppressants. Allez, on va faire traumatisant les gars, je pense que ça équivaut au mode normal. On va pas faire les ricains, il y a donc un flingue, un corps, des petits pancartes de preuve. Donc à mon avis, ça va être le petit feu. Je sais pas si on joue un flic, je sais même pas ce qu'on joue. C'est parti, première cinématique. We will be recording, as is our legal right. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is right. I need a decision now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. Okay, I'm ready. Ok, ça a l'air très chelou. Blake, ne venez pas au point d'échange. On a la fille et vous ne pouvez pas la sauver. Laissez les choses se faire. Alors, ça a l'air très chelou. Ok, sauve la fille. Très bien. Donc, je dois refaire les touches. On se retrouve dès que j'ai fait les touches. À tout de suite. Ok, on est donc reparti. Il est 8h31 du matin. Vous trouverez les contrôles dans le menu pause. Alors, il faut savoir un truc, les gars. C'est que ça a l'air d'être un petit peu comme l'Animus. C'est comme ça que ça s'appelle, l'Animus dans Assassin's Creed. C'est-à-dire qu'on a l'air d'être dans une machine qui nous fait revivre des souvenirs. C'est très bizarre. Ok, je peux courir. Peut-être la sensibilité pas assez forte. Alors, il faut savoir que j'ai choisi le PC pour un confort de jeu, pour vous proposer la meilleure des qualités. Et honnêtement, j'ai vu des screens du jeu avant de le lancer, avant de jouer tous ensemble et de se retrouver dans ce premier épisode. Et les screens avaient l'air totalement fake. Et au final, je suis en train de me rendre compte que c'est un style graphique très particulier. Parce que regardez, là, si je ne bouge pas, on a l'impression que c'est un screen, on a l'impression que c'est faux. Regardez la qualité des textures, je trouve ça méga propre et méga précis. Entre les carreaux qui se fissurent, qui sont sales, le radiateur aussi. Je trouve ça, c'est limite du fake. Bon, bref, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Alors, ok, interagir, c'est F. Jusqu'ici, pas trop de soucis. On a l'air d'être dans un endroit très chelou. Donc, le seul truc que j'ai compris du jeu, c'est que c'était non seulement une enquête qu'on allait vivre tous ensemble, notre propre enquête d'ailleurs, et en plus de ça, un petit côté un peu horrifique. Donc, je sais... Quoi? Pourquoi à chaque fois que je... C'est très bizarre. Attendez, quand je descends... Non, d'accord, d'accord, j'avais entendu deux fois le même bruit. Très bien, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait une horloge qui tourne, non? Ça veut dire une minute passée dans le jeu, je ne sais pas. Ok. Tiens, il y a quelque chose par ici. C'est très bizarre ce bruit. Attendez, on va revivre la même scène, non? Vous entendez? Mais c'est terrible. Mais c'est stylé si on revit la même scène. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, on va être littéralement téléporté dans notre animus, entre guillemets, hein, dans notre machine. Ok, 2 et 3, choisir vos armes. Oh putain, ça me plaît bien ça, mon petit frérot. Ok, ok.
D'accord, on entend toujours cette horloge qui défile en fond. On sait pas encore c'est quoi. Ok. Ok, on va rentrer là-dedans, hein. Oh putain! Ok, ok, on va sortir le smartphone. Qu'est-ce que c'est? Ne venez pas au point d'échange. Et là, il y avait quelqu'un. Ok, on va ressortir le gun. Ok, on peut pas passer par ici. Donc c'est pas par là, hein. C'est forcément... Regardez, ça va de plus en plus vite, j'ai l'impression, l'horloge. C'est très bizarre. Ok, il faut savoir qu'on peut se pencher à gauche et à droite. D'accord, ça me rappelle un petit peu Rainbow Six. Les lumières vertes sur le côté du smartphone vous guident dans les épreuves à proximité. Très bien. D'accord. Donc on doit mener l'enquête, vous l'aurez compris. Là, on a quelque chose. D'accord. Sélectionnez le scanner maintenant. Il est où le scanner? On va sélectionner le scanner. Ok. On va démarrer l'analyse. D'accord, alors c'est un téléphone du futur, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. This is military grade. Ok, c'est de l'équipement militaire. D'accord, donc les militaires sont bien évidemment dans la partie, ça fait plaisir. Tiens, on a une porte ici, on va ouvrir. Domino. De quoi, Domino? Putain, mais c'est bien foutu, je trouve le jeu beau, honnêtement, non? Faut savoir qu'il coûte 29€. C'est plutôt propre. Ok, donc il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose par ici. On va récupérer le gun. Les gars, si on peut, s'ils nous proposent de sortir notre arme si vite. Regardez la qualité des textures, c'est incroyable. Je trouve ça tellement beau, les mecs, vraiment. Ok. Vous entendez? Ok. Il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok. On a quelque chose, on a quelque chose. Quelqu'un a chié sur le mur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un bout de tissu. Alors vous l'aurez compris, petit à petit dans le jeu, on va comprendre ce qui s'est passé. ADN trouvé, femme, âge entre 18 et 22 ans. Ok, où l'ont-ils enlevé? Alors, on va passer en mode UV, bien évidemment, pour trouver les traces de sang. Alors, mode UV, il est là. D'accord. Ok, c'est par ici, hein, c'est par ici, on est d'accord. D'accord, elle était attachée. Est-ce que je peux scanner? Yes, on peut scanner. Ah! En faisant clic droit, en regardant le téléphone, très bien. DNA found. Sample corrupted. Échantillon corrompu. Ça, c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. On va repasser en lumière UV. Ah oui, mais là, on voit rien. Hey, forcément. Attendez, si j'appuie là. Ah non, on peut pas. Ok. Il y a des traces de sang. Enfin, des traces d'ADN. C'est souvent du sang. Très bien. J'essaye de faire gaffe un petit peu à tout ce qu'on peut avoir. On a quelque chose ici. Quelqu'un qui est passé il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'en fait, on est téléporté sur une scène de crime. C'est très bizarre. Ok, des clopes. Cigarette. Partial fingerprint found. Empreinte digitale partielle trouvée. Aucune correspondance dans la base de données biométrique. D'accord. On entend toujours ce petit bruit en fond. C'est très bizarre. Là, il reste un nouvel indice. Hein. Ok. On va ressortir la lumière UV. Et puis, on va continuer de suivre notre route. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, il n'y a rien. Hein. L'ADN continue par ici, mais... C'est pas ce qui nous importe le plus. Je pense qu'on va repasser. Ah non! Ah putain, d'accord, il y a un capteur thermique. Ok, très bien. Ok, on a quelque chose par ici. Ok, qu'est-ce que c'est? Nitrazépam détecté. Puissante substance sédative. Ils ont dû la droguer forcément pour pas qu'elle ressente la douleur ou autre. Très bien. On continue. On entend un bruit d'horloge en fond, c'est très stressant. Ok. Il se passe quelque chose là. Better keep quiet. Ok. Les éliminations F, d'accord.
Ok. Ok, ok, ils s'entraînaient sur... D'accord, donc c'est un groupe de terroristes. Oh, on peut récupérer, sérieux? C'est énorme. Est-ce que je peux l'analyser? Il est mort bizarrement, hein. Il a quelque chose sur l'oreille. Ok, on ne peut pas l'analyser, ça ne sert à rien. Là, il y a quelque chose à faire. On va se rapprocher. On dirait James Bond. Ok, ils s'entraînent sur qui, là? Analyzing ballistic evidence. Weapon recognized. Semi-automatic pistol. Pistolet semi-automatique, ok. Ok, on va récupérer le chargeur. D'accord, on sait pas sur qui s'entraîne, sûrement sur sur un des créateurs du jeu, je ne sais pas. Attendez, on s'enfonce de plus en plus bas là, hein. J'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. On va aller fouiller quand même là-haut. Il y a forcément quelque chose. Il doit y avoir quelque chose, je pense. C'est gigantesque ici en fait. Ok, fermé. Très bien, c'est pas grave. C'est pas grave. On va reprendre la vision. Ah mais putain, ça va là-bas. Je peux vraiment pas l'ouvrir. Aucun moyen. D'accord. Ok, c'est peut-être son sang à lui. Hein. Attention, tout peut se mélanger, tout peut partir très très vite. Ok. D'accord. Je vous laisse lire évidemment. Il doit être à l'étage du dessus. C'est très bizarre hein, le jeu. C'est très bizarre. Hein. Parce que le mec, comment vous expliquer? Il doit être à l'étage du dessus. Ok, on va mettre la carte. La carte vous indique à quel étage sont situées les cibles en mouvement. Donc ça, c'est l'étage du dessus, hein, vous l'aurez compris. Ok. Donc, ils sont juste au-dessus de nous. Vous entendez, hein, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Ok. Donc, c'est une sorte de bunker. Ah d'accord, faut les suivre comme ça. Ok, comme ça, j'entends ce qu'ils disent. Pas con. C'est pas con du tout. C'est de plus en plus rapide. C'est pas ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok, c'est la musique. Je crois que c'était un bug. Ah! Ok. What the fuck? C'est un putain de délire! Oh! On a tous rêvé d'une arme comme ça! On a tous rêvé d'une putain d'arme comme ça! Ok. Ah, merde, il appelait sa femme. Ok. Ok, il appelait sa femme. On a tous les mêmes téléphones, hein, vous l'aurez compris. C'est trop stylé! Vous avez eu le bordel de l'arme? Ok. Why is the bomb armed? Where the fuck is Mike? He's probably on his phone. Fucking typical. Find him. All right. Who's that? Take him out! Ok, j'ai eu très peur. Ne m'approchez pas, laissez-moi. Madame? Stay away from me. Stay away. Madame, vous inquiétez pas. It's okay, ok. Did my dad say 20 juin. I know you're scared. Is it armed? Oh my god, it's gonna go off. You've got to help me! Attends, ferme-la. I heard the code. It's 3. Ok, ok. 01. Ok. Please. Non! J'avais réussi! It's okay, my friend. I'm here to help.
There was a bomb. A girl. I don't remember this place. What the fuck is going on? Ok. 22 juin, soit deux jours plus tard. Ok. Looks like I'm going to building B. J'attends dans le bâtiment B comme convenu, raid. D'accord. Donc il y a un raid qui m'attend dans le bâtiment B. Alors je sais pas si la bombe a réussi à être diffuse. Quoi qu'il arrive, j'ai rentré le code, j'en suis quasi sûr. Après, est-ce que ça change quelque chose qu'on ait réussi ou non? Je pense pas parce que j'arrivais pas à enchaîner les chiffres sur le clavier. Et puis les touches étaient très bizarres. C'était très chelou, mais je pense avoir réussi. J'en sais pas plus, c'est le but hein, de mener l'enquête. Donc j'attends dans le bâtiment B. Très bien, alors le bâtiment B, c'est celui-ci, je pense. Hein. En tout cas, je suppose. D'accord, donc on va devoir mener une enquête. On sait pas qui est cette fille, vraiment. On sait rien. Je peux juste vous dire que il y a des chaises un petit peu partout. Là, on a quelque chose. Ok, c'est la même horloge. D'accord, en fait, il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des meurtres avec la même horloge. DNA found. Female. 18 to 22 femme entre 18 et 22. Mais c'est la même femme. C'est la même femme. C'est quoi ces délires? Qu'est-ce que c'est que ces délires? D'où Jésus, Marie, Joseph? Ok, c'est par ici. On a quelque chose. Hein. Ça vient de se fermer, hein. On a un fauteuil roulant. C'est très bizarre. On a un bras? Pardon? Oh. Ah! Ok. C'est très bizarre. DNA found. One matching profile. Patient numéro 9 et 12. Patient. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah! Et bienvenue dans un hôpital psychiatrique, on va s'amuser encore! Ça fait plaisir! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, par contre, j'ai des armes qui tirent sur un angle de 90 degrés, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce putain de jeu? Bon! Ok, oh, des télés, forcément. Des télés jamais éteintes, qui ne captent rien. Shit, am I alone in here? No thermal readings in the area. Just me then. Putain, ça va s'allumer tout seul, ça. Hein. C'est moi qui te le dis, mon pote. Hein. Le téléphone est très, très relou parce que t'as envie de te concentrer dessus. Ok, on a quelque chose ici. Attendez. Ah ! Putain. Qu'est-ce que c'est ? C'est un être vivant ? C'est une momie, non ? DNA found. One matching. Patient numéro... Patient. 2-19. C'est une vraie femme? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, j'ai pas sous-signé pour ça, moi. Ok. Oh putain, j'ai pas signé pour ça, moi, les potes. Là, ça commence à devenir intéressant. Enfin, intéressant. Pour vous, pas pour moi. La bouche pâteuse qui commence à revenir. Ok, par contre, cette fois-ci, j'ai une arme, donc ça fait quand même plaisir. Je me sens un petit peu plus rassuré. Oh. Drogue. Ne peut pas vous aider. La drogue ne vous aidera pas. Appelez-nous. On peut pas faire quelque chose avec ça? Par exemple? On peut pas... Bah non, j'ai déjà le scanner. Il aurait bien voulu le scanner. Accéder à la réunion. Ok. C'est mon objectif, hein, si jamais. D'accord. D'accord. Bon, on a visité tout cet endroit. Très bien. On peut partir, on va partir par ici d'ailleurs. C'est gigantesque. Hein. C'est gigantesque. C'est incroyablement vide pour le moment, mais c'est gigantesque. Ok, non, moi je viens de par ici. Ok, qu'est-ce que c'est que c'est? Ok, il est temps de passer maintenant, je pense, aux UV. Temps de passer aux UV, il y a quelqu'un qui a marché par ici. Vous savez qu'à force de regarder par terre, un jour on va se lever, ça va être terrible. Ah bah voilà, mais je suis con. Fuck sake, come on. Je suis totalement abruté. Putain, quelle galère. Mais c'est quoi cette voix qu'ils lui ont donnée au mec? Genre, on dirait un mélange de Rambo, Arnold Schwarzenegger, oh. On n'est pas bien. Oh putain. 4 disjoncteurs.
4 disjoncteurs pour une ampoule. Retrouvez votre émission tous les lundis. En direct de l'hôpital psychiatrique. 4 disjoncteurs pour tous les tuer. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Un singe. Oh, le singe de Call of. Attendez. On va scanner tout ça. On peut pas. Il est terrible, le singe. Je pense que ça va partir en couille. Vous le savez très très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Ah! Ok, on va voir les disjoncteurs. Oh là là, va y avoir des phases dans la nuit, je pense. Ça va être terrible. Ok, on a donc des disjoncteurs. Ils sont tous allumés. Ok, ils ont l'air tous allumés. Et ils sont tous reliés à ceci. Hop, je prends une photo parce que ça fait plaisir. Ok, il n'y avait rien à détecter. Très bien. D'accord, bon, ça c'est la salle des disjoncteurs avec des fauteuils roulants. C'est pas bon ça, les gars. Les gars, je vous le dis, c'est clairement pas bon. Mais clairement pas. Et en plus, on continue de descendre. Qu'est-ce que c'est que ces bruits, putain? Non. Tu peux pas me faire ça. J'ai pas d'armes, j'ai rien. J'ai un message. Tout est de ta faute. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On repart dans un Outlast, vous me l'avez pas dit, les gars. Oh putain. Ok. On dirait un mélange. Ah! Oh mon dieu, c'est pas vrai, il y a quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, à l'aide? Réinitialiser le disjoncteur ou la boîte à fusibles. Oh, ces quatre sont sûrement brûlants. Je pourrais les suivre jusqu'au... Ok. L'application Vision montre les sources de chaleur. Allez, il est temps de prendre un maximum de plaisir. Tous ensemble. Mais je sais où aller, je sais où aller. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok, le singe est tombé. Non, non, il se passe des trucs pas normal. Pas normal et paranormal aussi. Ok, on va tout allumer. Ok, on ne peut pas. Très bien. Et celui-ci? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non! On entend encore cette sorte d'horloge. Ok, il y a une sorte de... D'accord, attendez, laissez-moi comprendre. Ok. Ok. C'est bon, j'ai compris. Je suis un génie, je suis une machine. Ok, le courant a été remis. Vos actions auront des conséquences, pardon. J'entends des battements de cœur. Ça doit être mon cœur, je suppose. Oh putain. On va passer en UV. Oh putain. Ok. Les gars, la bouche pâteuse. La célèbre. Wow. Oh! What? Ok, elle dit que c'est moi qui a tout déclenché. Ouais, je me répète pour ceux qui n'ont pas le temps de lire ou qui ne savent pas lire. Je ne sais pas, ça arrive, les gars, on ne juge pas. Ok. Cette fois-ci, ça aura des conséquences. J'ai pas d'armes, nique sa mère. Hein. Ok, scanner. Y a rien à scanner. Y'a rien à scanner, par contre, c'est bizarre, pourquoi je vois toujours la même fille? Qui est cette fille? Est-ce ma fille? Ma fille? Je ne sais pas. Y'a quelque chose, en tout cas, ici. Ok, on va passer en UV, je suppose. This is me. Mais c'est moi! Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on dirait que je suis un tola! Hey! Ah oui! D'accord, on dirait que je suis un putain de tolard. Ok. D'accord. Ok. Dans les sous-titres, j'ai réussi à changer pas mal de petits trucs.
Ok, c'est bon les gars, j'ai réussi à paramétrer la touche qui manquait. Donc pour avoir le texte à l'écran, il suffit d'appuyer sur O. Cole Blake. Après avoir quitté l'armée il y a 7 ans, il semble que Blake ait perdu plusieurs années de sa vie en sombrant dans l'alcool et occasionnellement la drogue. Pour arriver à financer une telle hygiène de vie, il a commencé à faire des petits boulots en tant qu'agent de sécurité. Petit à petit, il a réussi à se forger une réputation d'homme déterminé et prêt à combattre si la situation l'exige. De fil en aiguille, Blake est devenu un mercenaire et a laissé de côté l'alcool qu'il a remplacé par les frissons que procurent ses nouvelles missions. Bien que les contrats lui rapportent gros, Blake ne semble prêter attention à l'argent que pour mesurer l'importance du contrat et le sérieux de son client. Les rapports psychologiques présentent Blake comme une contradiction ambulante. Il est incapable de tuer sans être assailli par un sentiment de culpabilité. Pourtant, tuer lui permet de donner un sens à sa vie. D'après nos informations, il n'a aucun ami. Hein. Miskin, il est là, le gars. Il n'a pas d'amis. Hein. On va pas tergiverser. D'accord. Je vois que ça crache sur ma gueule. Ça fait plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Corde, échantillon. Mais ça, c'est toutes mes photos, hein, les gars. Mais qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce qu'il faisait là? D'accord. Ok, ben c'est vrai ça, qu'est-ce que je faisais là? Ah, je peux... D'accord. Ok, donc ça c'est moi. Hein. C'est moi, j'ai une petite gueule de beau gosse quand même. Hein. Je suis sorti de prison, mais ça fait plaisir. Ok, ça c'était le drone. D'accord, donc on a lu le plus important. Non, il y a celle-ci. Il y a celle-ci qui m'intrigue. Ok, non, c'était la tache de sang. C'était la tache de sang, aucun souci. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelque chose à faire ici. Sûrement même là-dedans, non? Une bouteille de propane. Une lumière allumée, c'est très bizarre. Peut-être ici. Ah! Ah putain! Ah, Mr. Black. Please, apologies for the theatrics. It's all part of the Cela fait partie du traitement. This will be far more straightforward. Les choses seront plus simples si vous vous contentez de respirer. Attendez, mais je suis fou en fait, je suis impatient, c'est ça peut-être. Ok, c'était la bouteille qui était ici. Hein. Ok. C'est un sacré délire ce jeu. C'est un sacré délire. C'est bon, monsieur Black, du calme, respirez, vous revoilà parmi nous. Il est normal que vous soyez embrumé. Quoi? Vous êtes qui? Et c'est quoi ce truc sur ma tête? Hey! Hey! Du calme, monsieur Black, je vous prie, votre confusion est un effet secondaire du traitement. C'est fâcheux, mais je vous garantis que vous êtes entre de bonnes mains. Si ça peut vous aider à rester concentré, appelez-moi Red. Vous m'avez drogué? Avant, il y avait quelque chose dans un endroit. C'est pour cette raison que vous êtes ici, monsieur Black. Mais l'heure n'est pas aux questions. Ok. Dites-moi si vous voulez que je lise les sous-titres, parce que peut-être que c'est trop petit. N'hésitez pas, en tout cas, pour les prochains épisodes, je les lirai. On va s'arrêter là. J'espère que cet épisode 1 vous a posé beaucoup d'interrogations dans vos têtes. On se retrouve très bientôt pour la suite, n'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire si vous avez bien évidemment kiffé. Je vous dis à demain pour l'épisode 2, portez-vous bien, bisous tout le monde, ciao ciao.